Hello, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, petit unboxing de la compagnie FG Normal. Je regarde sur ma feuille là parce que bon, écoutez, ça fait un petit bout que j'ai reçu le colis. J'ai vraiment pas eu le temps là, dernièrement et tout, donc j'avais pris ça, j'avais mis ça de côté. C'est ça, là, moi avec Miko et tout, là, écoutez, là, il s'est passé là, des choses, là. Il est 9 h le soir et puis ça fait pas tant longtemps que je suis revenue dans la forêt écouter toute une mésaventure. Miko, il allait vraiment pas bien. Il a sûrement mangé un champignon ou quelque chose comme ça dans la forêt parce que bon, on l'a vu un soir puis il filait pas comme d'habitude. Il était comme tout sous l'eau, il était tout fatigué. Puis, excusez, cachou qui fait du bruit comme d'habitude. Puis là, c'était une journée qui ventait beaucoup. Puis les journées qui ventent beaucoup d'habitude, il était comme ça. Il était plus slow. Donc on se disait, bon, il est fatigué, il vente gros, il dort plus parce que bon, le moindre bruit, il est réveillé, tu sais. Ça reste comme ça. Le lendemain, oh my God, il avait de la misère à avancer. Il était dans mes bras, là, il était comme blotti dans mes bras, là. Puis là, mettons, je le flattais, là, il avait les yeux comme tout fermés, tout vitreux. Ça paraissait, là, qu'il filait pas, qu'il y avait quelque chose. Mais là, rendu là, t'sais, je ne suis pas une maman raton, donc je peux pas lui dire quoi manger, quoi pas manger, qu'est-ce qu'il a mangé dans la forêt. Il y a plein de champignons, il y a plein de choses. Là. Il est en plein milieu du bois. Là. C'est ça. Là, ensuite, il voulait pas aller dans sa cabane et tout. Je l'ai laissé là. Écoutez, j'ai pas le choix. Je peux pas faire grand-chose. Puis aussi, tu sais, l'avoir rapporté plus proche de la maison, de quoi l'avoir installé dans un coin, tu sais, dehors, whatever. Il aurait pu avoir une bactérie, puis j'aurais pu contaminer les chats, contaminer Bella. Donc là, on savait pas trop quoi faire, donc je l'ai laissé là. Je me suis dit, c'est un animal sauvage et tout, là, la nature va suivre son cours. Ça, c'est v'là 3 jours. Hier, je l'ai cherché toute la journée. J'ai été pendant exactement 4 heures de temps, même peut-être un peu plus, à crier Miko, Miko. Le matin, j'y étais 1 h 30. Après ça, j'ai retourné une autre heure le soir. En tout cas, on a été là pendant. J'ai marché partout dans le bois parce que, bon, la veille, quand il filait pas, là, il se couchait à terre. Là, puis il a fallu que j'aille le chercher dans le fond d'un fossé. Il a fallu que je descende là-dedans, que je remonte. Écoutez, c'était une job. Puis, il bougeait pas. Je passais à côté avec le 4 roues, exemple, puis il bougeait même pas. Je l'appelais, il bougeait pas, pas en tout. Donc, hier, il répondait pas. Il a pas répondu de toute la journée, mais il était peut-être à 1 mètre de nous, puis on le savait pas. Il aurait fallu comme tomber dessus, piler dessus pour le voir. Tu sais, il est brun, puis le sol, c'est brun, avec des fougères et tout. Il est en plein milieu du bois, là. Il y a pas d'éclaircie qu'on voit, là. Non, 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 là. C'était comme faire du ratissage. C'était débile. On a fait pendant à peu près 4 heures de temps, on l'a pas trouvé du tout, on l'entendait pas, puis il ventait, donc tout pour nous aider à entendre les bruits, hein. En tout cas, toute une histoire, là, hey, ça m'a viré à l'envers. Ce matin, j'ai retourné, après ça, j'avais des rendez-vous, hey, écoutez, ça fait comme 2 jours que je dors pas bien. Là, à la fin de mes rendez-vous, à soir, à l'heure que je suis revenue, je regardais, puis là, il faisait noir dans pas long, puis là, on se disait, hey, là... T'sais, là, mon copain, il dit, t'es sûr, tu veux y aller, tu sais, aller voir. Je dis, garde, là. Je dis, on était pendant 4 heures de temps, on y était le matin, l'après-midi, on y était sur la fin de la journée et tout. On ne l'a pas trouvé. Je dis, là, la seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est d'y aller le soir quand il fait noir. Fait qu'on est parti avec des flashlights, avec des lumières. Puis, on est allé dans le bois, mais on l'a trouvé. Écoutez, le soulagement, là, j'ai vraiment, 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 vraiment eu peur, là. J'ai eu de la misère à dormir, j'ai mal filé, je sais pas, c'est fou, hein, comment est-ce qu'on s'attache à ça, hein. Puis tout le travail que j'ai mis dessus sur la réhabilitation, puis en plus, je venais de dire dans la journée, tu sais, hey, je suis fière de moi, je peux dire que la réhabilitation est faite et tout, j'arrive là le soir, puis tu sais, il file pas, puis le lendemain, on le trouve pas, puis hey, je capotais. Fait que petite parenthèse dans mon unboxing, je suis désolée de faire ça là, mais bon, je voulais vous donner des nouvelles en même temps. Donc, on l'a retrouvé le soir en noirceur. C'est mon copain. J'étais là, je l'appelais, puis à un moment donné, il s'est viré de bord, puis il a vu 2 petites billes comme allumées avec la lumière. Il dit, hey, il est là! Je me dis, arrête, là, tu sais, niaise-moi pas, là, c'est pas le temps, là. Non, non, il est là, il est là. J'étais arrivé proche, puis oh Seigneur, il s'est envenu comme en courant sous moi, il s'en vient, là, puis c'était de me donner. Il me lichait, là, tu sais, il était content, là. Mais main, là. Oh Seigneur, hey, je vous jure, c'est. La pression qui a comme, ouf, parce que là, on était là, il est dessus en quelque part, puis il est en train de mourir, il fait le pot, qu'est-ce qui se passe? Fait que ça nous a vraiment, c'est ça, moi, en tout cas, ça m'a rentré dedans, là. Mais bon, là, il allait beaucoup mieux.
il recommençait à vouloir jouer un peu. Fait que là, je me croise les doigts, je retourne le voir demain soir. C'est ce que je me suis dit. Là, il reprend vraiment un beat de raton. Fait que, en y allant dans le jour, c'est d'ordure et tout. T'sais, il viendra peut-être pas nous voir. Fait que c'est ce que je me suis dit. Demain soir, j'y retourne. Puis quand il va faire comme ça à brûlant, c'est la fin de la journée. Puis tu sais, regarde, il y a des lumières sur le quatre roues. Puis on a des flashlights. Là, fait qu'on va s'arranger. C'est sûr que, bon, c'est pas, c'est un peu comme dans les films d'horreur. Hein, c'est pas trop hot, là. À noirceur dans le bois, t'entends quelque chose qui craque. T'es comme, hé, maman! En tout cas, pas supposé d'avoir de clown dans le bois, je devrais survivre. Donc, fin de la parenthèse, je m'excuse. J'ai pris un petit 5 minutes sur le unboxing, mais il y en a tellement qui me demandent d'avoir des nouvelles de Miko et tout. Puis là, cette histoire-là m'a chamboulée pendant, c'est ça, un bon gros 48 heures à être virée à l'envers. Là, ça va mieux. Mais on dirait que j'ai encore un petit quelque chose parce que je me dis, va-t-il être là demain? Ça, c'est comme. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir qu'il parte, il va falloir qu'il se trouve des amis et tout, mais c'est comme, c'est mon bébé. Fait que c'est ça. Donc, compagnie FG Normale, écoutez, j'ai commandé le 7 août, j'ai reçu le 21 août. Donc, ce qui veut dire 2 semaines à peu près, là, c'est débile, c'est vraiment rapide, là, c'est ça coche. J'ai commandé 3 toiles. Donc, je vais vous présenter les 3 toiles. Les prix sont quand même bons, je suis allée vérifier. C'est beaucoup des toiles qui ressemblent aussi à un peu du Everyday Deal. Ça me semble en tout cas la même qualité et tout. J'ai le paquet ici, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je le rouvre loul. Donc, unboxing FJ Normal. Donc, j'ai 3 belles toiles. Voilà, de ce côté. C'est ça, là, j'ai vraiment mis ça de côté, j'ai comme vraiment pas eu le temps, là. Bon, donc je commence par celle-là, tiens. Je sais pas c'est laquelle, là. J'en ai 3 là. Elle est la plus petite. Donc. Essayez d'ouvrir ça sans tout péter. C'est assez serré. J'espère que je vais être capable de le remettre dedans. Moi, j'ai les dimensions là, de mes 3 toiles ici que j'ai commandées. J'avais écrit ça vite, vite sur mon papier parce que, bon, je me suis dit, ça va-tu être écrit? OK, donc celle-là, c'est les oiseaux. C'est une 80 par 30. Et ouais, c'est long, longtemps. Une 80 par 30. OK, c'était écrit. Bon, là, je découvre en même temps que vous. J'ai mes codes DMC. Les symboles à première vue sont bien imprimés. J'ai pas de défaut nulle part. J'avais peur que ce soit une partielle. Parce que je l'avais vu sur d'autres sites et puis c'était une partielle. Puis là, c'était comme pas identifié sur le site. C'est une complète. Ce sont des diamants ronds. Donc, je vous montre ici. Ce sont des diamants ronds. À première vue, les diamants me semblent bien taillés. Ça a l'air vraiment numéro 1. Donc, je vous montre la toile. Je sais pas si vous allez toutes la voir. Oui! Donc, ce sont des petits oiseaux sur des petites branches de... C'est une branche de cerisier? Non, c'est des petites branches de fleurs, là, je sais pas. Là, vous me direz, là, les pros en fleurs, là, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. C'est des petites branches avec des petites fleurs, des petits moineaux. Mais je la trouvais cute. Puis, ce que j'aime aussi, oui, elle est longue, c'est une 80, mais c'est un 30. Fait que, tu sais, je veux dire, tu l'installes comme ça, dans l'autre sens. Tu pars ton diamond painting, ça va bien se compléter. Je risque de commencer comme la faire pendre, comme ça, par terre. Starter le dessus. Et puis m'en aller, là, plus loin vers mon bureau. Plus vers le fond, là, qui va être fait. Et non, le contraire. Avec mes diamants faits qui tombent sur mes genoux. Je vais y aller avec le pas fait. Puis regardez, elle était roulée, là. Puis elle est pas si pliée que ça, là. Fait que c'est super, là. Ça, je mets un peu de poids là-dessus pendant 48 heures. Puis c'est droit, droit, droit. Donc, je vous la remontre une autre fois. C'est une 80 par 30. Parce que là, je suis là puis je me fie. Je regarde l'application sur mon cell pour voir est-ce que je suis alignée. Voyez-vous comme il faut que ça, je veux vous montrer. Un peu le bord, comme ça. Ouais, de même. Non, comme ça. Et ce sera pas long. Hein? Renvoi d'image, là, je devrais me démêler ma gauche de ma droite à un moment donné. Donc, 80 par 30, diamant rond. Ça me semble numéro 1. C'est bien imprimé. Il y a juste une chose, par exemple, c'est... Oh, non, je me suis trompée, je m'en ai dit. C'est tout imprimé en foncé, mais non. Sur du foncé, les caractères sont blancs. Donc, avec la tablette lumineuse, là, ça va d'être parfait. Mais juste comme ça, pas de tablette, là, je vois quand même bien. Ce qui veut dire qu'avec la tablette, là, ça va être numéro 1. Je sais pas si je suis capable de faire
un petit zoom, là, question que vous voyez un peu comment c'est imprimé. Je pense que comme ça, on l'a. Donc, vraiment, là, parfait. Donc, pour la première toile, c'est vraiment numéro 1. Ensuite, ensuite, ensuite. Deuxième toile. J'y avais pensé en plus en voyant le petit paquet. Je dis pour moi, c'est ma grande. Moi, je dis ma grande, là, parce qu'elle est vraiment faite sur le long. Mais ça, là, quand je l'ai vu sur le site, là, je me suis dit, ah, hey, ça, là, ça serait pas pire dans ma chambre de bain. Ouais, ma chambre de bain, en tout cas, ma salle de bain. Nous autres, on dit la chambre de bain. Je me suis déjà fait dire qu'il y avait quelqu'un qui trouvait ça bien drôle, comment on disait ça ici au Québec, qu'on disait une chambre de bain. Mais je sais pas, ça a tout été. On dit pas dans la salle de bain, non. C'est dans la chambre de bain. Donc, mes petits oiseaux. Je vais me l'écrire dessus. Donc, oiseaux et fleurs, 80 par 30 de FG normal. Je vais vous mettre le lien aussi là, en description, en bas de la vidéo, là, pour que vous puissiez aller voir là, ce qu'ils ont et tout. Moi, je trouve en tout cas là, les prix, là, j'ai comparé là, parce que bon, je fais beaucoup de sites, je fais Everyday Deal, je fais beaucoup d'AliExpress. Là, j'ai GBFKE, j'ai FG Normal, j'ai Flamingo Art. Écoutez, j'en ai plein. Je vous dirais que c'est quand même très abordable. Puis là, ce qui m'épate beaucoup, là, c'est que la livraison se fait comme ça, là, dans le temps de le dire. Là, moi, je capote. Là, pour moi, c'est comme waouh! Parce que bon, Everyday Deal, là, même avant le COVID, là, c'était 2 mois. Là. Ça me prenait un bout avant d'avoir ma commande. Donc, FG Normal, très rapide la livraison. Très, très, très rapide la livraison. Bon, je vais être capable de défaire ça, moi, sans tout. Bon, je vais enlever le super collant. Ça va aller mieux. Deuxième toile, toile numéro 2, c'est une 40 par 50. Donc, je vous déroule ça, je déroule le rebord pour gagner. Donc, celle-là, j'ai pas mes codes de DMC dans la légende. Ce sont des diamants carrés. À première vue, les diamants m'ont l'air bien taillés. Ça a l'air quand même pas pire. Pour vrai, là, je regarde ça vite, vite, là. Ça a l'air quand même bien droit. Des fois, on en voit là, de suite en partant sur le dessus qui sont tout croches. Mais ça m'a l'air très, très bien. Donc, c'est ça. J'ai pas le code. Ça, j'ai juste les numéros. Donc, c'est ça. J'ai pas les codes DMC. C'est une 40 par 50 diamant carré. Donc, je vous la montre. C'est un bouquet de fleurs sur une chaise. C'est vraiment cute. Pour vrai, là, je me recule encore un petit peu. OK, comme ça, vous voyez bien. Donc, c'est super chaud. Une vieille chaise. Ça aussi, j'étais comme tellement une belle image comme à faire, à encadrer, puis à donner en cadeau. C'est quelque chose comme de passe-partout que, tu sais, qui fit, mettons, un peu n'importe où. Tu peux mettre ça, je sais pas, dans une entrée. Je veux dire, ça peut être dans une chambre. Ça peut, c'est beau. Ça se démode pas. C'est vieillot. C'est comme une chaise antique avec un bouquet. Donc, c'est super joli. Donc, sûrement que ça va être quelque chose encore à encadrer et à donner en cadeau. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. C'est très bien imprimé. Je vois très bien comme ça. Les symboles sont très, très, très clairs. Je ne sais pas là, si j'avance un petit peu plus. Si vous êtes capable de voir. Quand même, oui. Donc, c'est bien défini. C'est merveilleux. Super, la toile est quand même épaisse. J'aime aussi que ce soit un liner de plastique, je vais vous dire, parce que j'ai jamais vraiment vu de rivière. Dans mes toiles avec des liners de plastique, j'ai jamais pogné de rivière dans mes cols. Je touche du bois, parce qu'il faut jamais dire jamais. Mais pour vrai, là, les petites lignes dans la colle que j'ai pu avoir, c'était avec des liners en papier blanc qu'on ne voit pas au travers. Toutes les fois que j'ai des pellicules de plastique comme ça, j'ai mis du poids dessus puis c'est revenu numéro 1, c'est revenu super droit. Donc, est-ce un hasard? Peut-être. Mais bon. Donc, des diamants carrés. OK, ici mon petit papier. Que je vais être capable de le rentrer dedans? Ça, c'est la question. Je pense que non. Donc,
Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On pogne les nerfs, on met un élastique. Et voilà, nous là, moi je niaise pas longtemps. Tadam! Et voilà. Donc, moi, c'est ça. Quand ça commence à niaiser, là, hein? À un moment donné, on se trouve des petits trucs. Ensuite, troisième et dernière toile. Je regarde ça vite, vite comme ça. En tout cas, là, les symboles, c'est parfait. Surtout que c'est un peu plus foncé, c'est imprimé en blanc. Très clair. Wow! J'ai les codes DMC. Je le vois tout de suite sur ma légende. Donc, vous pouvez voir, là. C'est déjà à première vue comme ça, on voit très très bien les symboles. J'ai mes codes DMC à côté. Donc, je vous montre ma troisième toile. Donc, c'est une 45 par 85. Aïe aïe aïe! Ça, c'est de la toile, mon ami. Et plaire! Wow, et si c'est beau, si c'est beau. Oh my God. Wow. Très, très bien imprimé partout. Je vois pas de place embrouillée. Je vois pas de défaut. Non, tout est bien parfait. En tout cas, vraiment, là. Ça coche. Il n'y a pas d'espace flou. Il n'y a pas de... Parfait, 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 parfait. Donc, je vous montre ça. Si je suis capable de me reculer assez loin que vous puissiez voir. Je suis rendue loin, là, les amis, là. Donc, ce sont des fleurs de lotus. Je vais vous la montrer dans l'autre sens, OK? Question qu'on se rapproche, là, je vous la montre sur le côté, là. Mais c'est ça, elle va vraiment droite comme ça, là. Donc, vous avez dans le bas, là, le bambou, là, avec l'eau qui coule, les lotus, le petit couple de cygnes, là, avec les bambous en vert. Écoutez, c'est vraiment, là, 45 par 85. Ça, c'est de la toile, mon ami. Hein, parce que tantôt, mon autre était 30 par 80, puis je trouvais que c'était long, 80. Là, c'est 85, c'est encore plus long, puis c'est encore plus large. Donc, wouh! Ce sont des diamants ronds également. Les diamants m'ont l'air parfaits. Très bien taillés. Hey, j'adore le mix de couleurs. Regardez-moi ça. Beaucoup de vert, de rose et tout, là. Oh là 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 là! Donc, je suis super contente, je suis extrêmement satisfaite de ce que j'ai reçu. Wow! Écoutez, j'étais quand même un peu sceptique avec la qualité et tout. Parce que, tu sais, c'est des prix abordables. Plus que comment, c'est des grandes toiles abordables. Je vais avoir anguille sur roche en quelque part, ça. Du tout, du tout, du tout. Ça me fait penser beaucoup à Everyday Ideal. Donc, j'aime vraiment beaucoup là, ce set-là. Donc, FG normal. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur le site, là, il semble avoir quand même là, beaucoup de toiles puis beaucoup de formats. C'est pas comme Everyday Ideal que c'est à peu près toutes des 30 par 40, des 30 par 30 ou des 25 par 25. C'est plus un peu des plus petites toiles. Là, ce qui est le fun, puis tu sais, Everyday Ideal, on veut acheter une grande toile, puis ça shift assez vite, ça tombe dans le assez cher. Tu sais, ça tombe pas mal comme d'autres sites, exemple. Là. Tu vas aller sur AliExpress ou, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de gros deal à faire là sur des grandes toiles. Tandis que FG normal, j'en ai vu quelques-unes des grandes toiles. Puis, je te dirais là, que c'est quand même assez abordable. C'est bien. Le prix là, de ces trois-là, là, je ne les ai pas écrits. Là, je m'en rappelle plus exactement. Là. Non, sérieux, là, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Surtout, là, moi, ce qui m'épate, c'est vraiment qu'il y ait la livraison là, assez rapidement. Là, comme ça, en 2 semaines, bang, wow. J'adore, j'adore vraiment, là. Je suis vraiment très contente là, de ce que j'ai reçu. Écoutez, il y a encore du beau matériel qui s'en vient. Écoutez, oh my God. Je suis là puis je regarde. Je suis comme, ah, j'ai hâte. Mais avant, j'ai une toile que je veux vraiment commencer prochainement. Là, la toile que Mélissa m'avait donnée. Mélissa, là, une abonnée qui m'avait donné une grande toile là, avec des fleurs. Là, écoutez, là, celle-là, c'est des Eden Ex. C'est officiel. J'ai avancé beaucoup ma toile de hibou aussi. Écoutez, j'ai pas eu tant de temps que ça là, ces derniers temps là.
Là, je vais avoir un peu plus le temps de me reposer. Je vais avoir un peu plus le temps d'être à la maison, pouvoir avancer ça et tout. Ça va être dans les prochaines que je commence. La toile à Mélissa, parce qu'elle me fatigue. Je la regarde souvent, là, elle est en arrière de ma porte de bureau. Là, pas toutes les fois que je vais voir mes toiles, je suis comme, toi, là, je vais te faire dans pas long. Parce que ça en est une aussi que j'aimerais beaucoup encadrer. Puis les couleurs, là, ça fit tellement là, avec des teintes qu'il y a là, chez mes parents ou bien chez ma soeur. Donc, je sais pas. Peut-être que ça va être un cadeau, je vais l'encadrer. Ou bien aussi, il y a beaucoup de beige, hein? Puis, petit beige, un petit rose, ça fit avec mon salon, malheureusement. C'est plate. Pas de cadeau. C'est sûr, là, il y a la grande toile que j'ai eue, là, les oiseaux avec les fleurs. La 80 par 30 de FG Normal que j'aimerais beaucoup faire, vernir, encadrer et puis mettre dans ma salle de bain. Et puis, il y aurait aussi la toile de Mélissa, là, le pearl, là, je pense que je la verrais vraiment dans mon salon, ça fitterait. En tout cas, ça sera peut-être pas celle-là que je vais donner en cadeau finalement. Je pense à ça, puis je suis comme, oh non, elle va bientôt être belle chez nous. parce que je sais qu'avec ma soeur, elle l'avait vue l'autre fois, elle fait, oh, elle est donc bien belle celle-là, puis j'étais comme, ah, oh, tu sais, je pourrais la faire, je pourrais la. Mais je pense à ça, là. Je pense qu'elle va atterrir ici. J'ai d'autres projets pour mes parents. Puis ma soeur, je trouverais bien quelque chose aussi. Elle m'envoie plein de photos de son chien. Donc peut-être un petit perso avec son chien, je vais voir, là. Mais je vais me créer de l'ouvrage d'ici Noël, en tout cas. Je vais être occupée. Donc, ce qui veut dire plein de vidéos de Diamond Painting. Donc, sur ce, écoutez, moi, il est pas pire tard le soir. Mais pas pire tard, là. Mais en tout cas. Ça va ressembler à un petit peu de divan et Netflix et doudou là, pour la fin de la soirée. Okay, là, le stress est descendu. Je me remets de mes émotions là, avec Nico. Là, ça va bien. Écoutez, j'ai mal dormi un peu, là, je vais vous avouer. Là. Donc là, on dirait là, que je suis comme, ah, je sais qu'il va mieux. Je peux pas dire qu'il va à 100% parce qu'il est encore un petit peu. Il était mollo ce soir, mais il avait le goût de jouer un peu. Donc, moi, ça m'a donné beaucoup espoir. Ça m'a comme. C'était super bon signe parce que j'étais. Il était vraiment différent de comment est-ce qu'on l'avait vu, là. Donc, c'est pour ça, là. Là, on dirait que le stress est comme tombé. Je suis comme, ah, on l'a pas trouvé hier. Et ça m'a viré à l'envers. Ça m'a stressé. Je faisais comme juste penser à ça. Puis là, même aujourd'hui encore, je pensais à ça toute la journée. Là, juste de savoir qu'il est encore là, qu'il va mieux, que tu sais. À suivre. Donc, j'ai hâte de voir aussi demain s'il va être encore dans le coin. Sûrement, sûrement. Écoutez, ça fait un bon bout qu'il est là, puis c'est ça. Ce que j'avais peur, c'est qu'il soit allé se cacher dans un coin comme pour mourir. Ça me faisait vraiment, vraiment peur parce que je me disais, on le retrouvera jamais, là. C'est dense, la forêt. C'est assez, c'est quelque chose, là. C'est pour ça que j'étais comme, oh my God, là, rendu là, on peut pas rien faire, là. Et non, j'ai vu mon petit Miko ce soir, donc je suis super contente. Oh my God. Puis là, c'est pour ça, là, en plus, je me suis dit, attends, je fais une petite vidéo, je vous donne des nouvelles de Miko, puis en même temps, pourquoi pas un unboxing. J'ai ça sur le dessus de ma pile d'affaires à faire depuis un petit bout, puis je suis comme, OK, là, Marilyn, embraye, là, faut que tu le fasses ton unboxing. Chose dite, chose faite. C'est juste des fois, ça prend du temps. Aussi, je vais vous inviter à aller voir ma boutique en ligne. J'ai mis plein de nouvelles choses. J'ai des cires en pot. J'ai des cires moulées un peu, si on veut. Je pourrais même vous en montrer quelques-unes. J'en ai quelques-unes ici. Je vais vous montrer celles que j'ai à la rose, exemple. Donc là, je les ai mis dans un beau petit sac, là. Je vais leur trouver un petit sac mieux que ça. Donc, voyez-vous, là, sont disponibles pour la vente dans ma boutique en ligne. On voit mal à cause de la super lumière, là. Je vais vous les sortir pour vous les montrer. Exemple, ça remplace la cire traditionnelle rose, là. Vous frottez votre crayon dessus. Donc, je vous montre, exemple, celui-là ici, là, un beau cœur. Et puis, si, ça sent bon. Ça sent, celui-là est à la fragrance de rose. Donc, j'ai un cœur, j'ai un crabe, un papillon, un escargot. Ça, je veux dire, là, c'est des petites formes comme ça que j'ai faites, là, pour le fun. Donc, excusez, ça avait comme vibré, puis ça me gosse. Mon petit crabe. Donc, présentement, là, ceux que j'ai fait, là, avec des formes comme ça, j'en ai à la rose, j'en ai à la lavande, et puis à la fraise. Puis, même chose aussi, là, il va y avoir plein de nouveaux stylets, là. J'en ai déjà une batch demi, j'en ai déjà quelques-uns demi. Il va y avoir plein de nouveaux drill pens. J'en ai refait, là, une fin de semaine, là. Question de me remettre dedans. Je vais même vous en montrer ici, là, que j'ai, là. Je vais vous en montrer. Ils sont pas terminés, OK? Ils sont vraiment, là...
sont pas vernis, rien, là. Sont juste faits, c'est tout, là. C'est fait avec de la pâte fimo. Donc, ça en est, ça aussi, là, qui vont se retrouver sur la boutique très prochainement. Bleu marin et or, il est écœurant. Vraiment, là, c'est ça. J'ai ça à côté de moi, là, faut que je le fasse, là. Puis, même chose aussi, là, il y a des petites couleurs Halloween, là, du orange et noir, là. Donc, j'ai mes traditionnelles spirales. Et puis, j'ai celui-là ici, là, qui est vraiment comme mélangé au orangé. Ouais, orange, orange et noir, là, ça fait vraiment Halloween, là. Donc, ça aussi, là, faut que je les vernisse et tout. Ça va se retrouver, là, d'ici une semaine environ sur ma boutique en ligne. Mais présentement, j'ai plein de cires, j'en ai plein d'autres, des drill pens et tout. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Vous avez le lien, là, dans la description de la vidéo. Donc, allez jeter un petit coup d'œil au site de FG Normal. Et puis, allez jeter un petit coup d'œil aussi à ma boutique, là. Qui sait, hein, des petits achats impulsifs de fin de soirée, hein, une belle petite cire qui sent le ciel. Non, mais je vous le dis, hein, l'essayer, c'est l'adopter. Moi, j'ai tout mis de côté, tout ce qui était cire rose. C'est mes petits pots à moi, et puis c'est tout, là. Et puis, en plus, ça sent bon. Tu sais, on travaille. Là, le sac est fermé, là, puis ça sent la rose, là. Puis j'ai eu des commentaires aussi, là, des personnes qui m'en ont acheté, qui les ont reçus, là, puis tout le monde est unanime, là. Ça sent bon. Puis ça sent beaucoup. C'est pas, faut que tu te colles le nez dedans, puis OK, ça sent un peu la vanille. Non, non, ça sent. Donc, sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une superbe journée ou une superbe soirée, tout dépendamment à quelle heure mon Internet va me permettre de mettre ma vidéo en ligne, puis à quelle heure que vous la regardez aussi, hein? Donc, là-dessus, eh bien, je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.